Bonjour, bienvenue au FIFTH, 19e édition Genève. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir un pianiste, compositeur parmi les plus déterminants de la musique dite post-minimaliste ou bien néoclassique, Max Richter. Max Richter, auteur d'une œuvre artistique dense, passionnante, toujours bouleversante, composée pour des orchestres symphoniques, pour le théâtre, pour le ballet, pour le cinéma ou bien la télévision. Max Richter qui publie en 2020 Voices, 9e album studio d'une beauté déchirante, inspiré de la Déclaration des droits humains et que mit en image son associée créative, Julia Maher, cinéaste et productrice. Julia Maher, par ailleurs, membre du jury international du FIFTH 2021. Comment et pourquoi mettre la Déclaration des droits humains en musique? Que peut la musique pour les droits humains et pour qu'ils avancent dans le sens de la justice? Aussi, que nous apprend la crise du Covid-19 sur l'importance fondamentale que tient la musique, la culture et la beauté dans nos vies et dans nos sociétés? De tout cela, on parle avec Max Richter et Julia Maher entre Londres et Genève. Une rencontre animée par David Erodogno, professeur d'histoire internationale au Graduate Institute, durant laquelle nous diffuserons aussi des vidéos musicales exclusives tirées des séances d'enregistrement de l'album Voices et de concerts donnés par Max Richter. Pour introduction à cette rencontre exceptionnelle, je laisse la parole à Madame Michelle Bachelet, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Greetings to all of you. It is a great pleasure to be able to take part in this festival. These events, which have become so important to the city of Geneva that we love, are very helpful in maintaining an emphasis on the human stories of human rights. Yes, human rights are about laws, policies, and regulations. Yes, they're about governments and international bodies, but above all, they're about people. About young people of every gender, color, and ethnicity yearning for justice, women warriors for equality who are arbitrarily jailed, children forced into exploitation, stories that are as varied and as important as all the human beings in our world. Everyone of the 30 articles of the Universal Declaration of Human Rights stands for the destiny, the pain, the joy, and generosity of millions of individuals. And at this festival, it is their stories which are shared. But this event today is a little different. It is about music. An orchestra of voices that has been put together by the visionary Max Richter and Julia Maher to contemplate and celebrate the Universal Declaration of Human Rights. It weaves people's voices and messages in their mother tongues into a tapestry of sound that is also like a river, a single flowing creation made up of many small and vital things. This is a message of community and care, a message of endurance. It speaks to us of eternal and universal values, principles which are essential to the existence of humanity and the purpose of our lives. All human beings are born free and equal in dignity and rights. It is both a deep and simple truth and a complex and endless struggle for justice. It is a message that encompasses all the stories this festival has ever featured. And at its core, it presents solutions to many, perhaps all, the economic, social, and policy dilemmas of our world. The careful cadence of this performance, its subtle use of many languages, and its universal messages call us to reflect deeply about the nature of our values and the meaning of what we do. All around us, things are changing very rapidly. The pandemic of COVID-19 has upended our lives, our workplaces, our families, our loved ones, our schools. And it has brought home a number of essential lessons. We can see how the pandemic raced through the fault lines in society that had been created and maintained by generations of harsh discrimination and unprincipled exploitation. We can see how it expanded those fractures and used them as drivers to propel its contagion. We can see how the failure to uphold the fundamental rights to social protection, to healthcare, rights that are enumerated clearly in the Universal Declaration, has increased the pandemic spread and impact. COVID-19, like all crises, speaks to the universality of human rights because it shows us how violations of human rights harm everyone, and shows us how upholding human rights protects everyone.
Nobody could claim to see a positive side to this devastating pandemic, which has caused so much death and poverty. But I hope very deeply that we will gather the strength to apply its lessons as we begin to rebuild systems and policies that are better than before. Better because they are more fair, because they are more inclusive, because they embrace and advance people's right to speak out, to shape public decisions, to access essential resources and services, and to share the benefits of development. We need, all of us, to stand up for human rights, perhaps now more than ever before. Every woman, man, and child is born free and equal, and should remain so. And it's long past time to build the structures that will deliver those rights to everyone. Music, like art, and like human rights, speaks to all of us. United in this music, drinking in the power of these words, I hope you will have a memorable evening. Thank you very much. Doit quelquefois prendre la place de la politique quand la politique, pour des raisons économiques, est bloquée. It's important to be able to write about violence with the same intimacy with which I write about love. We created the kind of community that allowed us to give expression to our dignity. Black lives matter. African young people. Actually, I'm not a hero. Max, Julia, it's a great pleasure. Max, Julia, c'est un grand plaisir que de vous avoir parmi nous ce soir. Nous sommes là justement pour parler de Voices. J'ai des questions que j'adresserai à chacun d'entre vous, en commençant par Max. Avec Voices, vous avez tenté quelque chose de tout à fait nouveau, inédit. Alors, pourquoi ce mélange entre musique, voix humaine, et pourquoi avoir choisi la Déclaration universelle des droits de l'homme ? Eh bien, la Déclaration universelle, c'est finalement une sorte de feuille de route pour un monde meilleur, un texte riche d'inspiration. Et moi, je suis musicien, alors quand j'entends un texte qui m'inspire, j'ai envie d'entrer dans la création, dans une discussion par le biais de l'écriture musicale. Et chaque fois qu'il y a un texte comme ça, riche de sens, pour moi, cela inspire de la musique. Pour moi, pour nous, il nous a semblé que faire une œuvre créatrice, une sorte de réponse musicale, serait un bon moyen d'éclairer ce texte de manière nouvelle et différente et d'offrir un espace créatif et musical pour que les gens rencontrent ce texte, rencontrent ces mots et prennent le temps de la réflexion. La musicalité du texte, est-ce que c'est ça qui vous inspire ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que vous recherchez avant plutôt la textualité de la musique? Pourquoi avoir choisi d'énoncer, de parler le texte plus que de le mettre en musique? Pour moi, c'est avant tout une question de compréhension, d'intelligibilité. Pour moi, c'est vraiment offrir la possibilité aux gens d'écouter ces mots. Certains mots peuvent être plus difficiles à comprendre. Mais en même temps, la voix humaine, lorsqu'elle s'exprime, est musicale, surtout pour les langues que je ne comprends pas et que je considère elles-mêmes comme des objets musicaux. Julia, une question pour vous. Vous participez au projet depuis le tout début. Nous le savons, vous travaillez aussi avec l'image, la vidéo, les films. Je me demandais s'il y avait eu un événement ou une série d'événements qui avait été le déclencheur de Voices et de votre compréhension du projet.
Toutes nos idées, nos projets ont des origines multiples. Il n'y a jamais une chose en particulier qui le déclenche, ce sont tout un tas de choses. Et en l'occurrence, Voices vient de mon histoire à moi. Je suis arrivée au Royaume-Uni à 7 ou 8 ans. Avec ma mère, nous avions fui la Hongrie pour fuir le pays, mais surtout fuir un père absolument horrible. Donc, pour moi, le sujet des droits de l'homme, mon histoire, tout ça a été très pertinent. Et depuis notre rencontre avec Max, depuis 30 ans, c'est un sujet que nous évoquons régulièrement, la question des droits. J'ai fait aussi, à l'époque où nous nous rencontrions, des pièces de théâtre sur les mères de disparus. À l'époque aussi, il y a eu les tours jumelles, l'attentat et tout ce qui se passait dans le monde nous a incité à commencer à penser à ce projet. Il semble qu'il y ait une sorte de continuité, un fil rouge dans vos œuvres respectives. Vous avez déjà pris des positions, vous avez réagi en 1999 au conflit du Kosovo, vous avez réagi aussi à plusieurs reprises sur les guerres en Irak, les attentats terroristes de Londres en 2005. Donc, il y a vraiment quelque chose qui tient à une dimension internationale et aussi une dimension liée à la réalité nationale. Est-ce que tous ces événements, pour vous, ont un impact et façonnent votre œuvre artistique ? Les artistes, pour moi, ce sont avant tout des êtres humains. Nous vivons dans le monde et il se passe des choses dans le monde. Si vous êtes quelqu'un qui est créatif, eh bien, tout naturellement, votre œuvre réactrice sera une réaction, une réponse à cela de manière explicite ou implicite. Pour moi, c'est avant tout quelque chose d'instinctif. Il y a des choses qui nous semblent importantes, dont nous voulons parler. Et moi, comme compositeur, ma première langue, eh bien, c'est la musique. Donc, ma réaction, ma réponse, je la porte musicalement. Et Julia la porte visuellement. Pour nous, c'est quelque chose de naturel. Et beaucoup d'artistes, je crois, fonctionnent de cette façon. Je voudrais suggérer quelque chose. J'invite notre public à regarder Mercy, que vous avez réalisé, Julia, et qui a été enregistré il y a assez peu de temps dans votre studio. Il s'agit de la vidéo officielle. Thank you.
Eh bien, voilà une vidéo extrêmement émouvante. Merci beaucoup, Max et Yulia, de nous l'avoir fait partager. Je voudrais maintenant vous poser une série de questions pour mettre en lien Voices avec les luttes en faveur des droits humains. Mais avant d'en arriver là, en raison de la dimension émotionnelle de ce film, je voulais poser une question à vous, Yulia. C'est vous qui finalement avez traduit Voices en images par le biais de la vidéo. L'humanité que nous y voyons, elle est très simple, c'est très sobre et en même temps, il y a un vrai sentiment de solitude, le genre de solitude que l'on peut ressentir en regardant un tableau de Edward Hopper. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou c'est juste ma réaction à moi? Oui, je crois que mon œuvre est assez mélancolique et sans doute que l'œuvre de Max aussi. La mélancolie est un petit peu une réponse raisonnable à la situation d'aujourd'hui. Donc c'est vrai, il y a de la mélancolie. Max, vous aviez dit que la Déclaration universelle, c'était l'avenir, un monde que nous n'avons pas encore réussi à créer. Pour moi, c'est un petit peu comme si cette déclaration universelle était une sorte de mirage, à la fois proche, mais que nous n'arrivons pas à toucher. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, d'une certaine façon, c'est un idéal. C'est un peu l'histoire d'un monde parfait, un monde meilleur. Mais c'est en même temps une création humaine sortie d'une époque très sombre. Et malgré tout, des gens se sont assis, ont parlé ensemble et ont réussi à mettre cela au point et à adopter cette déclaration. Donc, par son existence même, la déclaration montre bien qu'il y a un réel potentiel que les choses s'améliorent. Donc, ne serait-ce que ça, c'est très inspirant. Oui, je pensais à la déclaration qui parfois est très critiquée précisément parce qu'elle a réduit au silence la voix de tant de personnes et notamment des populations colonisées encore largement oppressées à l'époque de la signature de la déclaration. Dans votre réponse, vous semblez plutôt être intéressé par le potentiel de ce texte. Oui, nous sommes des êtres humains, autrement dit, nous sommes imparfaits. Et malgré tout, ce texte montre, me semble-t-il, la bonne direction. Ce qui m'a frappé en travaillant le texte, et on en parlait à l'époque avec Yulia, si vous le lisez, ça semble une évidence, quelque chose de naturel. Il y a beaucoup de choses dans ce texte qu'un petit enfant, instinctivement, comprendrait et avec lequel il serait d'accord. Et c'est très frappant quand même. Comment vous deux, dans vos œuvres respectives, arrivez à mettre en adéquation mélancolie, espoir, images, vidéos et musique? Voilà une question intéressante. Je crois qu'il est tout à fait possible de se sentir à la fois un peu submergé, dépassé, attristé par le monde, tout en ayant de l'espoir pour l'avenir. Et je dois dire qu'actuellement, je me sens pleine d'espoir en voyant les jeunes générations qui ont une vraie conscience, et je ne suis pas sûre d'ailleurs que toutes les générations aient cette conscience. Donc il y a beaucoup d'espoir pour nous aussi par rapport à l'avenir, par rapport à certaines choses que nous voyons. Ça me semble tout à fait compatible, ces deux choses. Oui, je suis d'accord. La mélancolie, c'est une réaction naturelle au monde que nous voyons. Mais en même temps, il y a ce réel sentiment de potentiel, notamment dans les générations d'activistes, de militants, qui nous remplissent d'espoir. Et puis, il y a tellement de situations où on est constamment bombardé par du négatif et par des arguments négatifs. C'est très facile de perdre de vue
que l'on peut aussi avoir des choses positives. Donc, bien sûr que la déclaration a ses carences, ses failles, mais il y a aussi beaucoup de choses en elle qui peuvent inspirer des moyens d'avancer vers un monde plus empreint de bonté. Une des choses qui m'a surtout frappée en écoutant la musique et en regardant la vidéo, c'était les regards des enfants qui me semblaient remplis de détermination. Est-ce que c'est un message que vous vouliez passer? Oui, tout à fait. Ce qui compte, c'est les enfants, c'est l'essence. Nous-mêmes, nous avons 3 enfants, bien sûr. Donc, c'est quelque chose à quoi je réfléchis depuis longtemps. Quel est l'avenir qu'on leur laisse et comment voient-ils, eux, l'avenir avec tous ces afflux d'informations 24 heures sur 24? Donc, évidemment, les enfants, c'est l'essentiel, c'est le centre. Voices est en cours d'élaboration depuis des années, mais a été publié en juillet 2020. La sortie de Voices avait sans doute été décidée bien à l'avance. Sauf que ça s'est produit quelques jours après l'assassinat de George Floyd. Il y avait les manifestations massives de Black Lives Matter aux États-Unis et de par le monde contre toutes les formes de discrimination raciale. Et d'un seul coup, Voices est devenu un symbole. Un symbole de ce moment historique bien particulier. Comment cette situation vous a-t-elle touché, vous deux? Comment l'avez-vous vécu? Un projet comme celui de Voices sera toujours, je crois, vu par rapport au moment présent, parce qu'il y a tout le temps des abus, des violations des droits de l'homme partout dans le monde. Donc c'est pour nous naturel, cette connexion qui est établie avec le moment présent. Mais pour ce qui s'est passé l'année dernière, puisque c'était l'année dernière, bien évidemment, que c'est une prise de conscience et qu'il fallait bien que ça arrive. Ça fait des siècles que ça bouillonnait. La culture américaine est finalement construite selon ces lignes racistes. Et cet édifice juridique, culturel, il est en train petit à petit de se fissurer, de s'effondrer. Et on peut espérer qu'un monde plus juste émergera de ses cendres. Alors, bien sûr que cela nous a beaucoup touchés, comme tout le monde. J'espère que ça aura été un moment déterminant, un tournant. Est-ce que ces événements ont donné à Voices une couche supplémentaire, un sens politique, une valeur politique supplémentaire? On en parlait justement tout à l'heure, on parlait de cet adjectif politique placardé sur cette œuvre. Pour moi, je ne la vois pas comme quelque chose de politique. La politique, pour moi, c'est ce que les gouvernements font. La déclaration, elle est bien plus fondamentale que ça, je crois. Ce sont des choses absolument essentielles, un socle dans la façon dont les êtres humains devraient se traiter les uns les autres. Donc pour moi, ça va bien plus loin que de la politique. C'est plus essentiel, plus fondamental. Bon, là, il faut que j'insiste un petit peu par une question plus technique. Dans Voices, l'orchestre, les artistes sont complètement chamboulés. Est-ce que c'est une décision que vous avez prise en raison de la nature de votre musique? Ou bien est-ce qu'il y a là aussi un autre message? Est-ce que c'est une décision symbolique par rapport à l'ordre des choses? En fait, je voulais vraiment intégrer la philosophie même de ce texte dans les atomes, les éléments essentiels de la musique. L'idée fondamentale, c'est d'essayer de trouver de l'espoir dans une période noire.
L'orchestre est pour l'essentiel composé d'instruments graves, donc il a une texture très lourde. Et j'ai vraiment essayé de faire une musique en même temps lumineuse et remplie d'espoir. C'était un défi technique. Et pour moi, c'est un message d'espoir pour la période actuelle, pleine d'anxiété. Nous voulions faire une œuvre qui apportait de l'espoir. Un petit peu comme un alchimiste, cette transmutation d'une matière sombre en or. Oui, ça, je le ressens tout à fait. Et justement, j'avais l'intention de vous parler d'une autre vidéo que j'aimerais justement montrer à nos spectateurs. Voices a été publiée en avant-première au Barbican à Londres quelques jours avant le premier confinement. Vous n'imaginiez certainement pas ça à l'époque, mais Voices, comme vous venez de le dire à l'instant, a offert un message d'espoir pendant la pandémie. Cette pandémie qui est encore présente malheureusement aujourd'hui. Donc, vous avez finalement confirmé mon idée, à savoir que Voice était un petit peu un pont entre le monde d'hier et le monde d'après, de l'après-pandémie. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, si vous regardez notamment la vidéo Mirrors, c'est tout à fait ça. On utilise l'image et les négatifs de fleurs en train de s'ouvrir pour montrer que du négatif peut émerger un positif. Ça n'en a pas l'air dans l'immédiat, mais le monde peut aller mieux, peut être meilleur. Très bien, eh bien, regardons, écoutons un extrait du concert au Barbican que vous avez filmé, Yulia, et qu'interprète Marx en février 2020. That was wonderful. Thank you very much. C'était merveilleux. Merci beaucoup. Et dans la troisième partie de mon entretien avec vous, j'aimerais vous poser à tous deux la question sur le sens de et l'objectif de la communauté, de ce que c'est que la communauté. La première question que je souhaite vous poser, c'est jusqu'à quel point la pandémie a-t-elle changé votre façon de penser la musique, de penser le film, et également de penser la vie? Je pense que ça a tout changé et ça n'a rien changé en même temps. Ça nous a rendus plus engagés par rapport à ce que nous faisons, par rapport à la puissance de la musique et de la littérature et du film, permettent aux gens de parler les uns avec les autres. Le fait de ne pas avoir d'événements culturels pendant un an, ce qui nous a manqué, a appauvri notre vie. Il y a beaucoup de gens qui mènent des batailles plus importantes, mais néanmoins,
Je pense que c'est un moyen extraordinaire de se parler les uns avec les autres, d'explorer des questions, de faire avancer les choses dans des zones dans lesquelles nous sommes en sécurité, et c'est amusant de le faire. Quels sont vos projets pour le moment où la pandémie sera derrière nous? Nous avons un énorme projet en train. Nous travaillons sur différents projets. C'est un projet très différent. C'est un endroit. Nous sommes en train de créer un centre artistique, une ferme où nous espérons que beaucoup de gens viendront du monde entier pour des échanges créatifs par la musique, les arts visuels, la littérature ou le film. Et c'est un projet très différent, énorme. Ça fait des années que nous y travaillons. Mais cette année, nous l'avons fait avancer et nous avons beaucoup travaillé pour le faire se réaliser dans les temps. Il semblerait que tous deux, et Max surtout, d'après ce que je sais, vous êtes particulièrement sensible à cette question de créer des communautés. Si on revient à 2015 avec votre projet Sleep, je le vois aussi comme une façon d'imaginer une communauté. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots sur ce projet? Oui, Sleep est d'une certaine façon réimagine, repense une représentation musicale et les relations entre les musiciens et les spectateurs, les auditeurs, et l'exploration aussi de cet espace. La représentation est conçue comme une communauté d'auditeurs. Tout le monde vient à 11 heures du soir, quelque chose de ce genre. Ils vont au lit et nous commençons à jouer pour eux. Lorsqu'on a joué la première fois, en tant que musicien, nous sommes programmés pour être en représentation. Mais après quelques minutes, il était évident que nous n'étions pas en représentation. En fait, nous accompagnons ces personnes pendant qu'elles dormaient et pendant la nuit. Et c'est quelque chose de très différent. L'une des choses dont je me souviens lorsque nous vivions en Hongrie, nous étions plusieurs générations dans une seule maison avec des chambres très petites. Je pensais à mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, ma tante, ma mère. Nous étions tous dans un petit appartement. Et le fait de dormir entassé et très proche, c'est quelque chose à quoi on s'habitue. Et bien sûr, c'est parfois difficile, surtout pour les adultes, j'imagine. Mais pour moi, comme enfant, c'était un pays des merveilles. Parce que les discussions, des personnes jouaient de la musique, et puis d'entrer et de sortir de cet espace de semi-sommeil, et ça fait partie de la conversation. C'est comment les gens étaient liés les uns aux autres pendant qu'ils dormaient. Donc, j'aimerais vous donner un exemple parfait de la façon dont vous créez les communautés. Et c'est peut-être un message d'espoir. Et c'est votre concert sur BBC 3 en décembre 2020 qui a été diffusé dans le monde entier. Et j'aimerais que nous en écoutions un extrait, la chorale, donc, qui a été enregistrée en décembre 2020. All human beings are born free and equal, in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience, and should act towards one another in a spirit of community. Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the country to which a person belongs. Thank you.
That was quite something. Thank you for sharing the video. C'était extraordinaire. Merci de nous avoir montré cette vidéo aujourd'hui, Max et Julia. J'ai une dernière question qui s'adresse aux deux. J'ai entendu dire que vous aviez un nouveau projet et que ce projet est presque achevé. Il s'appelle Voices 2 et il sortira en avril 2021, donc dans quelques jours. Et je suis extrêmement curieux d'en savoir plus. Pourquoi était-il important pour vous deux, et pour Max en particulier, de revenir et d'enregistrer encore plus de musique et nous donner une suite à Voices? Voices, je pense que c'est un lieu de réflexion sur ce texte, sur les mots contenu dans la déclaration. C'est un espace dans lequel on peut se connecter avec ce texte. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'étendre cet espace musical au-delà du texte, comme si une image qui vient après le film ou bien un écho musical avant, après l'œuvre Mercy. Donc c'est un espace dans lequel on peut rêver ou des choses qui n'ont pas été racontées, des choses qui n'ont pas été dites, des histoires qui n'ont pas été... un futur, un avenir potentiel auquel on peut rêver. Une des choses qui s'est produite au cours de ces années, en deux jours, tous les projets ont été annulés, les frontières fermées pour 18 mois. Mais en fait, nous avons eu de la chance parce que ça nous a donné un espace très riche pour réfléchir à ce que l'on fait et pour donner une réponse immédiate à ce qui se passait. On n'a jamais cette occasion comme artiste de réagir immédiatement à quelque chose qui se passe. Et c'était une expérience également pour nous. Nous étions tout le temps à la maison. Et juste toutes nos pensées se déversaient en quelque sorte dans cette seconde partie de Voices. Donc, vous avez montré comment on peut être résilient grâce à la création. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle on arrive à interpréter ainsi vos réponses. J'aimerais vous dire au revoir et j'aimerais dire au revoir à nos auditeurs. En vous montrant des extraits de Mirrors qui vous montrent un petit peu ce qui se passe et comment le négatif se transforme en positif, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Julia. Et je vous remercie chaleureusement d'avoir participé à cette discussion ce soir et j'espère que nous allons pouvoir nous rencontrer. Portez-vous bien et j'espère vous rencontrer très bientôt. Merci. Merci, au revoir.